messieurs, dames, bienvenue sur Autozone Région pour l'essai de ce gros SUV de taille L du constructeur à l'étoile. Il s'agit de la nouvelle génération de GLE. Alors, il est né en 1997, mais à l'époque, il s'appelait ML. Puis après, il s'appelait Classe M. En 2015, il a adopté le nom de GLE. Ce véhicule prévu à la base pour le marché américain s'est imposé dans le monde entier. Plus de 2 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, il nous revient, bien évidemment, encore plus gros, encore plus imposant, mais surtout plus technologique. Alors, il n'a jamais été aussi beau, je pense, ce Mercedes GLE. Il est devenu également plus large. Il fait 2 mètres de large. On a deux types de calandres, soit une calandre type avant-garde, ou alors cette calandre type diamant, avec des facettes argentées. Puis, on a cette signature lumineuse, un peu en forme de parenthèse. Ça lui donne un poil plus d'agressivité. Et Cotrans Automobile à La Réunion propose ou mise principalement sur ce kit AMG Line. Alors le véhicule, il est plus grand de 10 cm, il fait 4,92 m de long. Par contre, il est plus bas de 2,4 cm pour des raisons aérodynamiques. On remarque ce gimmick stylistique typique du ML de première génération avec ce montant très incliné et le dessin particulier de la custode. Et avec ce kit AMG Line, on a les jantes en 21 pouces avec des jantes, des pneus très très larges, hein, 315 de large. Et on remarque le marchepied en aluminium. Le véhicule est beaucoup moins anguleux au niveau du haillon. Donc on a plus de rondeur. On a des feux effilés avec une nouvelle signature lumineuse. Un nouveau bouclier avec une fosse sortie d'air ainsi que des fosses canules d'échappement. Néanmoins, ce véhicule, il en impose pas mal. Il est bien assis sur la route, surtout qu'on remarque toujours ces énormes pneus de 315 de large. Messieurs, dames, bienvenue donc dans ce nouveau GLE de quatrième génération. Alors déjà, le véhicule a grandi et cela profite énormément à l'empattement. Résultat, on a des places dignes d'une limousine à l'arrière. Et puis en option, on peut disposer de deux sièges d'appoint dans le coffre, ce qui en fait une 7 places. On apprécie particulièrement l'agencement au niveau de la planche de bord, avec notamment ces deux énormes dalles numériques comme d'une classe S de 12,3 pouces. Ça fait disparaître énormément de boutons. Et puis c'est extrêmement ergonomique. La qualité des matériaux, rien à dire. Et puis on peut personnaliser son véhicule à foison. Alors, tous ces deux jolis écrans sont accouplés au système d'infodivertissement MBUX, très performant, avec une commande vocale très réactive. Alors, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment un élément de sécurité. Le constructeur veut que vous gardiez les yeux sur la route. On peut donc commander vocalement énormément de fonctions, comme votre téléphone, toutes les fonctions de votre téléphone, et puis d'autres fonctions du genre éclairage d'ambiance. Hey Mercedes ! Hey Mercedes ! Oui, s'il vous plaît ? Couleur rouge. Ok, je change la couleur. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Fermez le store. Très bien, je ferme les stores par soleil. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Navigation. Voilà, donc c'est extrêmement réactif. On n'a pas de questions à se poser, on n'a qu'à lui parler. Alors, ce GLE est équipé de série de l'amortissement piloté hermétique. Ça fait varier la garde-sol selon que vous soyez en tout terrain, sur le bitume et selon votre style de conduite. On a différents modes de conduite d'ailleurs, éco, confort, sport et individuel. Mais cette suspension, on doit choisir entre dynamisme et confort. Le constructeur à l'étoile propose donc une option, la suspension hydropneumatique e-active body control. Alors cette suspension va agir indépendamment sur les quatre roues.
ça va apporter un confort et une tenue de route impeccable, sans compromis. Et puis on aura d'autres fonctions comme le véhicule peut s'incliner dans les virages pour contrer le roulis. Ou alors en tout terrain, elle peut sautiller quand on est embourbé. Donc c'est vraiment magique, mais c'est une option qui coûte très cher, hein, près de 10 000 euros je crois. Alors sous le capot, aujourd'hui on dispose du petit 2 litres diesel. Alors, 2 litres diesel pour un véhicule aussi lourd, vous me direz. Oui, mais ce 2 litres diesel est accouplé à un gros turbo à géométrie variable. Il fait 245 chevaux et 500 Nm de couple. Donc il n'a aucun mal à propulser les plus de 2 tonnes du véhicule. Le seul petit hic, c'est que la sonorité, elle n'est pas envoûtante, hein, elle est assez quelconque. Alors les clients les plus exigeants, je dirais, l'équiperont du 3 litres diesel, du 350D de 272 chevaux, ou alors du 400D de 330 chevaux. Évidemment, l'octroi de mer, le malus écologique, c'est pas le même. Et puis on aura le modèle essence 450. Alors qui est accouplé à un système de micro-hybridation, il développe 367 chevaux. Donc voilà, on a un véhicule qui est devenu encore plus imposant, encore plus beau, mais ça c'est mon avis personnel, mais surtout extrêmement technologique, même s'il faudra aller fouiller dans les options. Les deux écrans sont de série, d'accord, et ensuite on peut avoir un maximum d'options comme d'habitude chez Mercedes. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce nouveau GLE. Nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.